Je me souviens, mon premier jour, j'étais vraiment très stressée. C'est mon premier emploi. Je viens de France et je me suis dit que ce serait probablement très différent. Bonjour Hélène. Bonjour. Et ensuite, quand je suis arrivée, je me suis sentie directement vraiment accueillie par ma référente ICAN. C'est une équipe qui a été dédiée juste à l'accompagnement des nouveaux engagés et à l'accueil aussi. Bonjour. Bonjour. Et donc ils sont là dès le premier jour et ils nous suivent pendant un petit bout de temps. Et on se revoit alors. À plus tard. J'ai pu rencontrer ma chef immédiatement, qui m'a fait visiter tous les locaux de l'hôpital, qui m'a vraiment rassurée aussi. Elle a été très bienveillante. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ah, merci. Bonjour les filles. Merci. J'ai pu être présentée donc à tous les membres de l'équipe. On m'a même attribué une marraine. Il faut savoir qu'ici, c'est vraiment chouette parce qu'on est doublé minimum 3 semaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup rassurée et qui m'a aidée à aller vers la prise de poste en autonomie. Quand j'étais engagée, on m'a donné la possibilité de choisir le secteur où je voulais travailler. J'ai été d'abord infirmier, après infirmier adjoint et maintenant je suis infirmier chef. Oui, on arrive. La direction de notre hôpital m'a permis de me développer au niveau professionnel à travers des formations en continu. Actuellement, je suis une formation en master en santé publique qui me donne la possibilité de développer mes compétences et pouvoir exercer ma fonction de manière optimale. Maintenant, je me sens bien, je suis intégrée dans l'équipe. Je connais pas mal de personnes qui viennent notamment du Portugal, du Liban. J'ai une collègue roumaine également. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs aussi, qui ont fait leurs études d'ailleurs et qui viennent à Brugmann et pour qui ça se passe super bien. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de l'hôpital. Je suis très fier de le dire, je me sens un vrai brugmanien. 12 ans de carrière dans cet hôpital, avec un début pas vraiment facile comme tous les débuts, mais l'hôpital a cru en moi. Mes collègues, mes responsables ont reconnu de la valeur, mes compétences. Et donc depuis 12 ans, j'ai pu construire ici toute ma carrière. 12 ans d'expérience, 12 ans qui m'ont permis d'évoluer et d'être à cette place aujourd'hui de responsable du secteur de la gériatrie sur 2 sites différents. Et j'ai pu rencontrer ma femme dans cet hôpital. On a fondé une belle famille. Notre enfant qui est ici à la crèche. Je me sens vraiment, vraiment bien ici en Belgique. Et si je devrais tout recommencer, je le ferais certainement pareil.